Salut tout le monde, c'est Martin de Mécanica. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la phase la plus cruciale, celle d'impression. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles. Pour commencer, votre cadre insolé et dépouillé avec votre logo. Une racle d'impression, de l'encre, dans notre cas il s'agit d'encre textile à base d'eau, quelques bâtons mélangeurs, du tape de masquage, un support d'impression, dans notre cas c'est un tote bag, et surtout d'un outil qui vous permettra de tenir votre écran, ici une presse de sérigraphie. Avant de commencer à imprimer, vous allez devoir préparer votre écran à l'aide du tape de masquage. Ceci permettra d'occulter les bords où l'émulsion n'a pas pu recouvrir la toile. Commencez par préparer votre plateau en y appliquant une légère couche de collant bombe. Ceci permettra au tote bag ou à votre t-shirt de ne pas bouger ou coller au cadre lors de l'impression. Si vous vous lancez dans une série de t-shirts ou tote bags assez importante, renouvelez cette opération toutes les 5 à 6 impressions. Vous pouvez désormais installer votre cadre. Si vous travaillez avec le kit Mécanica, il vous suffit de visser les poignées noires afin de maintenir le cadre en position. Encore un peu de patience avant d'imprimer, il faut au préalable préparer l'encre. En sérigraphie, il existe deux grandes familles d'encres. D'un côté, les encres à solvant et de l'autre, les encres à eau. Comme leur nom l'indique, les encres à solvant sont à base de solvant et se nettoient à l'acétone et les encres à eau sont à base d'eau et donc peuvent se nettoyer à l'eau dans un évier. Nous fournissons avec notre kit de l'encre textile à base d'eau de la marque Sico. Cette encre doit être diluée avec de l'eau à hauteur de 10 à 15% de son volume. Elle doit aussi être bien mélangée avant son utilisation. Vous devez passer d'une texture de type fromage blanc un peu épais à celle d'une danette bien onctueuse. N'hésitez donc pas à travailler votre encre quelques minutes afin d'obtenir cette texture. Saisissez-vous de votre racle d'impression et placez-la comme ceci. Appliquez ensuite une bonne quantité d'encre sur toute la largeur du logo à imprimer. Attention, cette encre ne doit pas être appliquée directement sur le logo, mais juste devant votre racle. Relevez légèrement votre cadre à l'aide d'une main et procédez au nappage de votre écran à l'aide de l'autre main. Abaissez ensuite l'écran contre le tote bag et procédez maintenant au raclage de l'encre ou à l'impression. Le coup de racle est un geste qui demande quelques essais pour être maîtrisé, mais qui n'a rien de sorcier. Vous pouvez enfin relever votre cadre et constater que toute cette préparation n'a pas servi à rien. Une fois imprimée, l'encre à eau sèche à l'air libre. Mais pour tenir sur votre support, elle doit être cuite. Pour ça, munissez-vous d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux et exposez votre encre à 150 degrés pendant 3 minutes pour une tenue optimale en machine. Lorsque vous avez terminé d'imprimer, vous pouvez passer à la partie la plus drôle, le nettoyage. Commencez par récupérer l'excédent d'encre sur votre cadre, vous pouvez sans problème le remettre dans le pot. Ensuite, dévissez votre écran, munissez-vous d'une éponge et passez le tout sous l'eau. En fonction de l'encre que vous avez utilisée et du temps que vous avez passé à imprimer, il se peut que certaines mailles soient plus difficiles à déboucher. Pour y arriver, orientez le jet d'eau de votre évier ou de votre douchette vers ces mailles bouchées et frottez avec une éponge. Ça y est, vous avez imprimé votre tote bag, vous avez bien nettoyé votre cadre, il n'y a plus du tout d'encre dessus. Vous pouvez soit le mettre de côté et le réutiliser plus tard pour imprimer le même logo, mais si vous voulez changer, rendez-vous à l'étape suivante pour voir comment le dégraver.